les conséquences de nos actes et de nos paroles sont souvent insoupçonnées, voire insoupçonnables. D'ailleurs, le sens de cet enseignement du Talmud dans le traité Sanhedrin, où Rabbi Yehuda dit au nom de Rab, que toujours on se doit d'étudier la Torah, de s'appliquer à pratiquer les mitzvot, même si ce n'est pas pour une bonne raison, même si c'est shelo lishma, même si c'est pour des raisons qui sont extérieures à l'essence même de tout cela. Parce qu'en réalité, chez mitor shelo lishma ba lishma, nous dit le Talmud, parce que même si cette mitzvah est accomplie de manière intéressée, un jour, elle aboutira à quelque chose de désintéressé. La preuve, c'est que Balak, roi de Moab, qui a apporté 42 offrandes, sacrifices, korbanot, pour pouvoir faire maudire Israël, mais qui les a portés à Hachem, eh bien, a eu le mérite, plusieurs générations plus tard, de voir une descendante exceptionnelle sortir de son sein, Ruth, qui va devenir la grand-mère du roi David. Alors évidemment, ce passage reste ambigu, il reste un peu incompréhensible. D'abord parce qu'on dit que lorsque quelqu'un accomplit quelque chose de manière intéressée, il arrivera quand même un jour à avoir quelque chose de désintéressé. Mais là, ça se produit sur plusieurs générations, ce n'est pas la personne lui-même. Et c'est la raison pour laquelle le Netziv, Rabbi Naftali Zvi Yehuda de Volozhin, Berlin, eh bien nous dit que, en réalité, même pour ses descendants, cela peut avoir une implication. Le fait d'avoir une parole positive ou de faire une action qui soit là pour la grandeur de Dieu, même si elle est dans un but intéressé, quelquefois n'aura pas de répercussion directement sur nous. Quelquefois, ni même sur nos enfants, ni même sur nos petits-enfants. Mais quelquefois, eh bien, une, deux, trois, quatre, cinq générations plus tard, ce mérite va ressortir et va être comptabilisé pour pouvoir justement faire éclore quelque chose de beau d'un des descendants de celui qui aura accompli ce commandement, cette mitzvah, ou qui aura étudié la Torah de manière intéressée. Tout cela pour nous dire qu'en réalité, le sens de nos actions nous échappe souvent. Le sens de nos paroles, eh bien, nous n'arrivons pas toujours à les contrôler. Mais nous pouvons être sûrs que rien n'est perdu, que toute prière qui est envoyée au ciel reviendra. Quand, quoi et comment, cela reste un mystère dont nous n'avons pas la réponse. C'est pour cela d'ailleurs que cette semaine, nous allons commencer les trois semaines de deuil qui nous préparent à Tisha B'Av, au 9 Av, avec le jeûne du 17 Tammuz qui aurait dû avoir lieu samedi, Shabbat, mais comme Shabbat n'est pas un moment de deuil, il est reporté à dimanche. Alors qu'est-ce que le 17 Tammuz ? Ce n'est ni plus ni moins que la symbolique de l'échec d'Israël. L'échec vis-à-vis de Dieu et l'échec vis-à-vis des hommes. Le 17 Tammuz, c'est le moment où la muraille de Jérusalem a été entamée, brisée par les armées babyloniennes de Nabucodonosor il y a plus de 2500 ans. Et pourquoi est-ce que les armées les babyloniennes ont pu faire cela ? C'est parce qu'Israël avait fauté sur sa relation à Dieu et sa relation aux hommes. Les trois fautes capitales dont la Torah nous dit qu'il vaut mieux se laisser partir, mourir, que de les transgresser, qui sont Gilui Arayot, la débauche, Shfichut Damim, le meurtre, et Avodah Zarah, l'idolâtrie. Et comme si cela n'avait pas suffi, 70 ans après, nous revenons d'exil et nous reconstruisons un temple qui va durer plus de 400 ans lui aussi. Mais il va détruire ce temple, pour une raison tout simple. C'est parce que nous n'avons pas été capables de contribuer à la Ahavat Chinam, à l'amour gratuit du prochain, et que c'est la Sinat Chinam, la haine gratuite, qui a provoqué ce deuil trop long, trop douloureux que nous vivons au quotidien depuis plus de 2000 ans. Et c'est pour cela, sans doute, que l'on se doit de se rendre compte que chacune de nos actions, eh bien, peut avoir une incidence infinie, non seulement pour nous, pour les générations futures, mais pour toute la communauté d'Israël. Quand Israël a Révim Zébazé, tout Israël est impliqué avec l'autre. Nous sommes tous les chaînons, les maillons d'une chaîne. Cette chaîne qui doit être la chaîne de l'unité et la chaîne de l'éternité d'Israël, c'est à nous de la reconstruire au quotidien pour que demain, le temple soit reconstruit.